Je sais pas si tu sais, mais la raconterie, c'est aussi une troupe de théâtre. Et on joue notre premier spectacle, Soirée Vaudeville, en ce moment. On a fait une adaptation de deux pièces courtes de Georges Feydeau, Un bain de ménage et Feu, la mère de Madame. Du coup, c'est l'occasion de faire un petit topo de la vie de Georges, un des papes du théâtre comique français et artisan reconnu du Vaudeville. Il est né le 8 décembre 1862 à Paris, d'une maman juive d'origine polonaise, Leocadie Boguslawa Zaluska, et d'un père écrivain, Ernest Feydeau. Et première anecdote qui pose le personnage, on aime les histoires dans sa famille. Et sa mère lui raconte qu'il serait le fils de Napoléon III, ou celui du demi-frère de l'empereur. Une histoire que Georges a soutenue de partout durant toute sa vie. Parce que ouais, avoir du sang d'empereur, bah... ça le fait. Très jeune, Georges est déjà un petit rigolo, puisqu'il passe son temps à martyriser sa petite sœur, Diane Valentine, et à ne pas travailler à l'école. Quand il a 11 ans, son père meurt d'une hémiplégie et dit à son fils juste avant « Fais du théâtre, c'est mieux que les études !» Conseil que le jeune homme va prendre au pied de la lettre. Il s'essaie d'abord en tant que comédien dans la compagnie qu'il fonde, le Cercle des Castagnettes. Très stylé comme nom. Mais il s'aperçoit vite qu'il est pas ouf, alors il décide de faire comme papa et d'écrire. Joli pif le Georges, puisqu'à ses 19 ans, il sort de son chapeau la pièce Par la fenêtre, qui rencontre beaucoup de succès. Elle raconte l'histoire d'une femme qui demande à son voisin de la draguer pour se venger de son mari qu'elle soupçonne d'être infidèle. Les bases de son style sont posées. 4 ans après, en 1886, il écrit sa première pièce en 3 actes, Tailleur pour dames, et la voit se jouer au grandiose théâtre de la Renaissance. C'est là qu'il est adoubé par le papa du vaudeville, Eugène Labiche, qui lui promet un bel avenir. Mais pour l'instant, ça ne le fait pas encore vivre. Du coup, il tient à la rubrique théâtrale du journal de Beau-Papa. Parce que oui, Leocadie s'est remariée. En parlant de mariage, en 1889, Georges rencontre Marie-Anne Carolus Durand, qu'il épouse très vite, et qui lui donnera une fille et 3 fils sur les années à venir. La vie d'artiste continue, avec quelques bas, mais surtout beaucoup de hauts, avec les classiques Monsieur Chasse, L'Hôtel du Libre-Échange, Un fil à la patte ou Le Dindon, pour ne citer que les plus connus. À défaut d'être un empereur, on lui affuble le titre de « Roi du Vaudeville ». Le revers de la médaille de tout ça est que le bon Georges, eh bah, il fume le succès un peu trop beaucoup par tous les bouts. L'infidélité qu'il dépeint dans ses pièces est son sport national, puisqu'il trompe régulièrement sa femme avec des femmes, mais aussi des hommes. La vie nocturne parisienne n'a pas de secret pour lui, la cocaïne et les jeux d'argent non plus. Le Maxime, c'est son QG, à tel point qu'il écrit La Dame de chez Maxime. Une autre façon serait de dire qu'il mélange un peu trop fiction et réalité. À tel point que Marie-Anne, exaspérée par les tromperies de son mari, se prend un amant. Un beau jour, une violente dispute éclate, et Georges décide de s'installer au Grand Hôtel Terminus. Cela aboutit au divorce du couple, ce qui semble plutôt sain pour elle. Parce que Georges, il va continuer sa vie de débauche et boire le calice jusqu'à la lit. Déjà, il restera finalement vivre dans l'hôtel pendant une dizaine d'années, n'ayant pas envie de s'embarrasser avec un déménagement. Pour décorer, ce grand amateur d'art achète beaucoup de tableaux. Mais toujours accro à la drogue et aux jeux d'argent, il doit revendre une majeure partie de sa collection. Et sa fin de vie, ça va être quelque chose. Il va y avoir la foi de trop, puisqu'un jour, son amour pour les groom boys va s'avérer fatal. La cible choisie est en fait une femme travestie qui va lui refiler la syphilis. Une maladie qui va le ronger et provoquer des lésions au cerveau. Une condition qui va l'amener à vivre dans un sanatorium pendant 2 ans. Il est atteint de surménage, de délire, de mégalomanie et de paranoïa. Il est soigné à base de douches froides, de bromures, de chloral et de sédatifs, et vit dans une chambre avec une fenêtre grillagée. Il meurt finalement le 5 juin 1921, après une vie un peu trop remplie de tout. Georges Feydeau a vécu toute sa vie à Paris, et enterré au cimetière Montmartre. Il a énormément fréquenté le quartier de Saint-Lazare. Son restaurant fétiche, Maxim's, existe toujours, ainsi que le Grand Hôtel Terminus qui a lui tout de même changé de nom et s'appelle Lilton Paris Opéra. Il détient toujours le record de longévité d'un résident là-bas d'ailleurs. Sa maison natale a quant à elle été transformée en un LCL. Si la vie de Feydeau vous a donné envie de découvrir son univers, vous pouvez venir voir notre spectacle Soirée Vaudeville, les dates sont dans la description. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube, mettre la petite cloche et bien sûr mettre un like sur cette vidéo. Et si le format vous a plu, dites-le nous, on en fera d'autres. Suivez-nous sur les réseaux qui sont tous en description et qui apparaissent quelque part sur l'écran, je sais pas trop où. En attendant, la raconterie vous fait des bisous.